Le LASIK, c'est la correction chirurgicale au laser qui est utilisée aujourd'hui pour corriger tous les défauts de vision. Que l'on soit myope, hypermétrope, astigmate ou presbyte, on peut utiliser le LASIK pour corriger le défaut de vision. Le LASIK va agir en utilisant le laser excimer comme sculpteur pour remodeler la cornée et pour que la cornée retrouve une forme qui permette au rayon de se focaliser sur la rétine. Lorsqu'on fait un LASIK, on peut faire un LASIK qui va corriger tous les défauts de vision et corriger en même temps la presbytie. Le plus souvent, on agit en utilisant la monovision, c'est-à-dire que l'on va mettre un œil de loin et un œil de près. La focalisation que l'on va créer en remodelant la cornée ne sera pas la même. L'œil de loin est le plus souvent l'œil dominant, l'œil avec lequel on vise, l'œil avec lequel devant lequel on met un appareil de photo. Donc l'œil dominant de viser va être le plus souvent focalisé sur la vision de loin, c'est celui qui va voir de loin nettement. Et l'œil dominé, qui n'est pas celui avec lequel on vise, va être focalisé sur la vision de près, c'est-à-dire on va corriger plus la presbytie sur l'œil dominé que sur l'œil dominant. Et la monovision, c'est cette focalisation différente des images, l'œil de loin dominant, l'œil de près dominé.